Dans un tout autre domaine, l'exercice de style de Jean-Marc Magnatis. L'espace d'un week-end pluvieux, il s'amuse à changer le look de Vanessa Paradis. Changement radical, regardez. Bien, les Johannessens, on aime bien s'amuser. On est un peu hors mode, je veux dire, parce que ce qui compte, c'est que ça plaise à Vanessa, que les couleurs lui aillent bien. Notamment là, on a décidé de faire du noir, ça lui va parfaitement bien. Et après, ça devient peut-être une mode. Ce que mon rôle, en fait, ce que je préfère faire, c'est de mettre en valeur un visage. Vraiment. Maman reste de tête brune et les perruques ça te permet de changer de tête comme tu veux. C'est un déguisement et c'est aussi une autre facette de sa personnalité. On veut toujours ce qu'on n'a pas et on s'aime pas tel qu'on est et on a tout le temps envie de changer quelque chose en soi. Donc je sais pas, je pense que c'est ça. On est blond, on a envie d'être brune, on a les cheveux raides, on les veut frisés. Et on a les allons, on les voudrait courts ou je sais pas. Il y a un clin d'œil, effectivement, aux 60s, mais très, très 90, c'est-à-dire qu'il est hors de question de refaire des mises en plis, il est hors de question de recréper les cheveux à mort et tout. Jérôme.